Hello ma team chouchou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo cuisine, puisqu'aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va faire du meal prep. Donc c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne, et pour cause, je l'applique pas vraiment dans ma vie quotidienne, c'est pas quelque chose que je fais. Vous avez été très nombreuses à me demander assez régulièrement pourquoi j'en faisais pas, ou si peut-être j'en faisais hors caméra. Pas du tout, aujourd'hui on va se concentrer à faire du meal prep pour mon copain Tanguy. Pas du tout pour moi, pour la simple et bonne raison que déjà de base il est assez sportif, il est même très sportif, il va à la salle tous les jours, il s'entraîne tous les jours. En plus de ça, bah, il a son taf, il fait comme moi, il travaille comme moi depuis la maison. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le même rythme lui et moi. Lui il mange toujours en général avant moi pour pouvoir aller à la salle entre midi et deux et ensuite il taf. Donc du coup lui c'est vrai que le midi il cuisine pas. Moi quand je cuisine je m'y prends toujours plus tard parce que je bosse aussi le matin, donc ça coïncide pas vraiment. Il va pas y passer une heure, deux heures comme moi. Donc il va aller à la, au plus simple en fait. Donc je me suis dit que ce serait vraiment une super idée de lui faire du meal prep qui soit donc des repas équilibrés, qui soit déjà tout prêt. Il aura juste à ouvrir le frigo, à prendre sa barquette, à manger le midi, à filer à la salle et à enchaîner sa journée, même si elle aura déjà commencé. Vous voyez, c'est vraiment un gain de temps le meal prep. Je ne fais pas quotidiennement parce que cuisiner c'est un plaisir, j'aime vraiment. Et vu que je bosse depuis la maison depuis tellement longtemps maintenant, bah, j'ai toujours vu ma pause déjeuner comme ma vraie pause, et j'ai toujours vu cuisiner comme un moment détente, c'est vraiment le moment qui me détend le plus. Donc si j'ai plus cette possibilité de cuisiner tous les jours le midi, bah en fait il va manquer quelque chose, et j'ai vraiment besoin d'avoir ce petit moment à moi où je cuisine, etc. Donc pour moi le meal prep il a pas vraiment d'intérêt. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille se poser au bureau, que je vous parle de mon organisation et surtout de mon menu. Comme je vous ai dit, la clé c'est d'être organisé, donc j'essaie de faire ça très bien, du mieux que je pouvais, pour vous donner aussi des petits tips et tout. Pourtant j'en ai jamais trop fait, mais si je vais en faire c'est comme ça que je le ferai. Entre parenthèses, regardez pas le bordel derrière, on est en plein DIY et tout, bref. Donc on regarde pas derrière, on ne regarde que ça. Vous en avez déjà parlé dans une précédente vidéo, mais moi pour m'organiser, donc surtout dans mon travail, j'utilise énormément Notion. En gros c'est un site sur lequel vous pouvez vous inscrire, c'est totalement gratuit, mais vous avez une fonctionnalité payante si vous l'utilisez de façon professionnelle avec plusieurs personnes, etc. Mais sinon c'est ouvert à tout le monde. Et donc Notion c'est vraiment un outil, mais que je trouve absolument fantastique. Je vous en ai déjà parlé, je bosse pas du tout pour eux, jamais, ils ne me connaissent pas. Mais je l'utilise moi vraiment énormément. Donc pour ces meal prep, bah pareil, moi mon réflexe c'est d'utiliser Notion. Donc en gros vous pouvez créer des bases de données. C'est pas facile à l'utiliser au début quand on l'apprend. Donc moi ce que je vous recommande, si c'est un outil qui vous intéresse, regardez des tutos. Vous avez des millions de tutos sur YouTube ou même sur internet. Il y a vraiment plein de solutions pour apprendre à l'utiliser avec des conseils. Moi c'est comme ça que j'ai appris. Aujourd'hui ça va pas être un tuto complet, mais je vais vous montrer un petit peu moi ma façon de faire pour arriver à ce que vous voyez là aujourd'hui, qui est ma base de données meal prep, dans lequel j'ai intégré deux fonctionnalités. Donc j'ai intégré un tableau et une liste de courses. On a plusieurs éléments, donc la première colonne on a les recettes. Si je clique dessus ça m'amène aux ingrédients, je vais vous montrer dans un instant. On a ensuite la colonne Tupperware dans laquelle j'ai mis des cases à cocher, comme ça je regarde si à la maison j'ai le Tupperware qu'il faut, et une fois que c'est coché je pars du principe que je l'ai. Donc c'est juste moi pour m'organiser avec la taille, pareil c'est pour la taille à peu près du Tupperware, la quantité à peu près que je veux, donc grand, moyen, petit. Et pareil pour le type, si c'est plutôt un repas qui est froid ou qui est chaud. Vous le voyez, en grande majorité, c'est des repas froids parce que c'est ce que Tanguy préfère le midi, surtout maintenant qu'il fait meilleur et tout, il aime bien les salades et tout. Et comme je le disais, si je clique par exemple sur salade de pommes de terre, ça m'amène directement à la liste d'ingrédients dont j'aurai besoin pour chacune des recettes. Donc j'ai fait ça hyper simple, mais c'est vraiment moi pour mieux m'y retrouver. Et juste en dessous, bah, la liste de courses qui est celle que je vais faire tout de suite. Je me suis noté ce que je devais acheter, comme ça c'est tout simple. Moi j'ai l'application Notion sur mon téléphone aussi, donc j'ai un visu sur mes bases de données en toutes circonstances. Donc voilà un petit peu, c'est super simple, mais au moins c'est clair, concis, et il y a tous les éléments les plus importants. Et c'est comme ça que je trouve qu'on se retrouve le mieux, parce que le meal prep en général, ben forcément tu prépares plusieurs repas pour que ce soit une ou plusieurs personnes pour plusieurs jours de la semaine. Donc si t'es pas un minimum organisé, je pense que tu t'y perds complètement et tu peux très vite oublier des ingrédients, oublier des plats, et tu arrives et t'as pas les Tupperware qu'il faut. Enfin c'est des trucs tout bêtes, mais qui au final c'est censé te faire gagner du temps, donc il faut vraiment en gagner jusqu'au bout, sinon ça peut t'en faire perdre si t'es pas un minimum organisé quoi. Mais ne vous inquiétez pas, pour celles et ceux qui débutent sur Notion, si vous voulez un petit peu faire la même configuration, j'ai tout filmé, je vous montre comment faire. Je vous dis, c'est pas un tuto, c'est vraiment dans les très grandes lignes, mais au moins ça peut vous apporter un maximum de conseils. On prend, donc c'est pour vous. Comme vous voyez, on commence par créer un tableau en cliquant sur vue
table. Je modifie ensuite les intitulés de mes colonnes. Dans Tupperware, comme je vous le disais, j'insère des cases à cocher et j'ajoute ensuite les différents modèles de taille. Ici, j'ai mis grand, moyen et petit que je classe par couleur. Tout est évidemment hyper personnalisable. Dans la colonne des plats, j'écris toutes mes recettes et j'ai oublié de vous montrer, mais pour remplir chacune d'entre elles, il vous suffit de passer la souris juste à côté sur ouvrir et vous allez voir, c'est super simple. Pour ma dernière colonne, je répète la même opération en cliquant sur sélection multiple et j'ajoute mes étiquettes par couleur et je remplis ensuite tout mon tableau. C'est tellement plus agréable avec ces codes couleurs, je trouve. Dernière étape facultative, mais autant bien faire les choses, n'est-ce pas? Sur Google, j'ai choisi l'image qui me plaît le plus afin de la placer en tant que bannière au-dessus de ma base de données. Vous pouvez la redimensionner ou même utiliser une image à vous. Et voilà, le tour est joué. Les courses, c'est fait les amis. Je vais pas vous faire un haul course parce que ça apporterait pas grand-chose à la vidéo. De toute façon, vous avez vu, on va vraiment se concentrer maintenant sur la préparation, évidemment, des repas. Donc je me munis de mon Notion que j'ai devant. Vous voyez, ça donne à peu près ça. Donc c'est sensiblement la même chose. Donc là, je pense que je vais commencer par déjà un, ce qui est le plus long. Notamment la partie des wraps de poulet. Alors là, les wraps de poulet, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui préparer le poulet que je vais faire mariner avec les épices, donc c'est ce que je vais commencer par faire. Et ensuite, je vais couper les légumes, etc. Les tortillas, elles seront déjà dans le frigo. Pour le coup, là, je vais pas faire des maisons parce que il faut quand même les consommer assez rapidement pour qu'elles soient bien meilleures. Donc il a ce qu'il faut et après il pourra faire son assemblage de lui-même, bien entendu. Pour cuire les pommes de terre pour la salade de pommes de terre, c'est pour ça que je fais cuire l'eau. Je pense que ce qu'il y a de plus long au final, c'est la préparation des légumes, couper, laver, machin, tout ça, tout ça. Donc, c'est parti! Ah, je suis trop contente! Pour la marinade, on mélange 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe d'épices de votre choix. Je vous montre les miennes en fin de vidéo. Je mélange bien toutes mes aiguillettes de poulet de façon à ce qu'elles soient bien enrobées et on laisse reposer au frais. Je commence par laver et cutter les fraises avant de les couper en deux, puis je prépare mon sirop. Pour ça, je porte à ébullition 10 cl d'eau, 15 g de sucre, un sachet de sucre vanille et le jus d'un citron. Si comme moi, vous n'avez pas trop de force dans les poignets pour presser les citrons à main nue, petite astuce, prenez une petite pince comme ça, coincez votre citron juste ici et vous n'avez plus qu'à serrer. Et voilà, franchement c'est génial. Une fois qu'il a refroidi, je l'ajoute à mes fraises et on passe au plat suivant. Après avoir coupé les champignons et l'oignon rouge, j'ai fait revenir dans la poêle jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Je déglace ensuite avec un peu de vin blanc et j'ajoute 150 g de coulis de tomate à peu près, 2 cuillères à soupe de concentré et on laisse mijoter une dizaine de minutes sur feu doux. Une fois que c'est prêt, je verse dans mon Tupperware et j'ai rajouté quelques feuilles de basilic, des olives noires, car Tanguy adore ça. Alors ça, c'est un peu la salade préf de Tanguy, car c'est tout ce qu'il aime. Donc je découpe les poivrons, tomates, que j'ajoute au saladier où j'ai déjà mes pommes de terre préalablement cuites et refroidies. Comme avant pour le maïs, le thon, on passe ensuite à la vinaigrette. Vous mélangez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Une fois que c'est bien mélangé, ajoutez une cuillère à café de miel et une cuillère à café de moutarde et on verse dans la salade. Elle est vraiment super bonne cette vinaigrette, vraiment essayez-la. Vous m'en direz des nouvelles, j'ai terminé par du persil et échalotes et c'est terminé.
Enfin, pas tout à fait, parce qu'il nous reste encore une dernière salade, celle-ci. Donc je découpe les tomates, le concombre, que j'ajoute au riz, que j'ai déjà préalablement cuit, bien entendu. À nouveau du thon, des olives noires. Oui, il adore tout ça, vous avez compris. Et j'assaisonne. Pour le coup, c'est super simple. C'est bientôt terminé les amis, on passe à la sauce blanche. Donc pour ça je mélange 4 cuillères à soupe de fromage blanc à peu près, vous faites en fonction des quantités que vous avez bien sûr. Une cuillère à café de moutarde, sel, poivre, une échalote et pas mal de ciboulette. Et voilà, c'est prêt. Et pour terminer, on revient à notre poulet qui a bien eu le temps de bien mariner, comme vous le voyez. Donc je peux donc le faire dorer à la poêle et pendant ce temps, je découpe le poivron et les tomates en dés afin de tout installer ensuite dans mon dernier tupperware. C'est bon, on a terminé. Bien, je pense que ça m'aura occupé 3 bonnes heures cette histoire. Mais comme je disais à Tanguy, je filme, donc je prends aussi pas mal de retard là-dedans pour changer de plan, etc. Mais ouais, pour faire tout ce que j'ai fait, j'ai mis à peu près 3 heures, mais vraiment j'ai pris mon temps. Genre vraiment j'ai pris mon temps. Donc vous avez vu un peu sur les images tout le process de tout ce que j'ai préparé. Donc on a 2 plats chauds, enfin, 1 et demi, 2 plats froids, plus un snack. Donc pour commencer, on a les pâtes, donc ce sont des penne. Tomates, olives noires, champignons. J'ai rajouté un peu de basilic, du jardin. S'il veut se rajouter du parmesan, il pourra. J'en ai pas mis, mais en théorie, évidemment, ça ne peut être que très très bon. Au départ, j'avais pas prévu les olives noires, et comme il m'en restait, je me suis dit ça va être parfait, ça va vraiment bien se marier. Je sais qu'il les aime beaucoup. Ça, je sais que le soir, il va adorer. Ensuite, on a la salade de pommes de terre, qui est vraiment, c'est clairement le truc qu'il mange le plus facilement. Et en général, quand il se fait ses petits mini prep, c'est littéralement la salade de pommes de terre qu'il lui fait toute la semaine, mais il ne mange que ça du lundi au vendredi quasiment. Donc j'ai refait, j'ai vraiment mis que les trucs qu'il aime, donc évidemment c'est à agrémenter s'il y a des trucs qui vous tentent selon vos goûts, parce que bah, c'est tout l'intérêt, c'est quand même de se faire plaisir. Donc là on a un plat assez généreux, donc dedans vous avez vu on a du thon, on a de la tomate, des poivrons, du maïs, rajouté de l'échalote, du persil, j'ai fait ma vinaigrette balsamique et évidemment les pommes de terre, je crois que c'est à peu près tout. Donc celle-ci elle est déjà assaisonnée, elle est parfaite, franchement ça sent hyper bon. La vinaigrette balsamique, je vous la recommande, elle est excellente. C'est miel balsamique et c'est absolument succulent avec n'importe quelle salade. Je la fais depuis des années. Ensuite on a la garniture si on peut dire pour les wraps. Donc là c'est pas énorme parce que je pense que c'est assez généreux à côté et je sais que ce sera suffisant. À mon avis de toute façon ça lui fera un bon repas. On a l'essentiel pour faire les tortillas, donc on a le poulet que j'ai bien fait mariner, et pareil quand vous faites bien mariner la viande ça change tout, au plus longtemps c'est, au mieux c'est, en gros, idéalement une nuit. Bon là on n'avait pas une nuit, mais j'ai bien fait mariner je pense 3 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà, avec moi j'ai mis des épices que je vous montre, que vous allez peut-être vous demander, moi j'utilise ces épices qui sont excellentes, je les achète chez Action. C'est très relevé donc il faut pas en mettre non plus des tonnes, mais on adore s'en servir avec le poulet notamment. Sinon à l'intérieur c'est, je crois que c'est de l'ail, ail, paprika, oignon en poudre, enfin voilà, peut-être un petit peu de chili, etc. Sel, poivre, donc vous pouvez le faire tout à fait à la maison et après pour la marinade vous mettez vraiment ce que vous voulez. Ça fonctionne vraiment très bien. On a ensuite le poivron, les tomates, il y aura juste à rajouter la salade, les tortillas et la sauce qu'on a à côté, qui est juste ici, donc une sauce blanche avec du fromage blanc pour que ce soit moins calorique que les sauces industrielles classiques. Donc moi je rajoute un petit peu de moutarde, j'achète de la moutarde au miel de chez Grand Frais qui est bonne, ça donne un petit goût et surtout j'ai mis pas mal de ciboulette, pareil du jardin, donc ça donne encore plus de goût et j'ai aussi rajouté de l'échalote, ça parfume tellement. Avant-dernier plat, nous avons la salade de riz classique, valeur sûre. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Riz, thon, tomate, olive noire, concombre, j'ai mis de l'ail et j'ai pas assaisonné parce que pareil, s'il veut s'en mettre à côté il s'en mettra, sinon il y a également la sauce, je sais que ça peut fonctionner, qu'il aime bien comme ça. Et évidemment nous avons les fraises, le saladier de fraises, je vous raconte même pas quand on l'ouvre l'odeur, c'est divin. Franchement je suis vraiment déçue de pas manger de fruits parce que même ça je n'en mange pas, mais alors
J'aime trop l'odeur. Ça sent hyper bon. J'ai fait un sirop de fraises pour bien les imbiber, pour que ce soit vraiment hyper parfumé et tout. Donc pour le sirop, vous avez vu, c'est juste un tout petit peu de sucre. J'en mets pas beaucoup pour des raisons évidentes. De l'eau, j'ai mis de l'arôme vanille. J'ai rajouté également de la poudre de vanille. C'est de l'extrait de graines de gousse de vanille. Donc ça se présente comme ceci. Je crois qu'on peut en trouver dans le supermarché. Moi, ça vient de Tahiti, pour tout vous dire. Mais je suis quasi sûre qu'il en existe en supermarché. Sinon, vous pouvez remplacer par de l'arôme traditionnel liquide ou du sucre vanille en poudre. Un petit peu de jus de citron également. J'ai mis un petit citron. Et le tour est joué. Au mieux ça marine, au mieux c'est. Pareil, c'est un peu comme le poulet. Et voilà les amis, on a terminé pour aujourd'hui. Donc cette vidéo change clairement. Bon, en tout cas, j'ai essayé de la rendre la plus complète possible, que ce soit en matière d'organisation, de préparation, de tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y en a que vous allez piocher. Et dites-moi si vous, vous faites du meal prep. Est-ce que vous en faites pour mieux vous organiser? Ça peut être que les week-ends, ça peut être qu'en semaine, peu importe. Dans tous les cas, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye!